Previously on Lost. Salutations et bienvenue dans la station 7 de Tube. Aujourd'hui, on s'attaque à la fameuse rougelée, icône de la série permettant à l'île de se téléporter, mais aussi à celui qui la tourne de se retrouver dans le désert de la Tunisie. Elle fut à l'origine créée par l'homme en noir qui, avec les Romains, avait creusé un long chemin proche d'une poche électromagnétique. Sa mère enterra alors leur souterrain, tua tous les Romains et assomma son propre fils. Plus tard, les Égyptiens ont probablement repris la construction sous l'ordre du monstre, comme en témoignent les hiéroglyphes se trouvant dans la pièce glacée. D'ailleurs, au passage, ces hiéroglyphes veulent dire « voyager ». Des siècles plus tard, la Dharma Initiative y fait des tests avec des ours polaires, comme le suggère le film d'orientation de l'Hydre, ainsi que les squelettes d'ours polaires en Tunisie. Mais depuis la création de la roue, du moins probablement depuis la première utilisation de la roue, la pièce gelée semble figée dans le temps, puisque dans la saison 5, alors que nos survivants se trouvent des années dans le passé, Locke, en entrant dans le puits, se retrouve dans le présent quand la roue est détournée de son axe. Une question se pose alors, comment l'homme en noir a-t-il eu l'idée et même les connaissances pour construire un tel mécanisme? Eh bien, sa réponse, c'est celle-ci. I'm special. À 3 épisodes de la fin de la série, on pourrait trouver ça chier que les showrunners, alors qu'ils commencent à répondre à tout un tas de mystères, ne peuvent s'empêcher d'en rajouter d'autres. Bon, après, si Lost avait répondu à tous ces mystères, la série ne vivrait pas encore aujourd'hui, et cette station n'existerait pas. Alors, ensemble, découvrons la vérité, peut-être, de cette fameuse roue gelée. Avant de réellement commencer mon enquête sur cette fameuse Frozen Donkey Wheel, je suis allé voir sur internet si les réalisateurs n'avaient pas déjà glissé quelques mots sur sa création. La réponse est non. Je suis donc allé sur Lostpedia, une mine d'or où sont regroupées beaucoup de théories, et voir ce que les gens avaient inventé. Deux théories s'affrontent alors, deux théories que beaucoup de personnes estiment être les réelles réponses. La première, c'est qu'en Tunisie, dans la vraie vie, il y a des structures égyptiennes. Mais la statue de Taouret sur l'île n'est pas construite avec des roches volcaniques ou avec des pierres des hauteurs de l'île, non, ce sont des roches claires. La théorie veut alors que la réelle localisation de l'île était, à l'origine, en Tunisie. Et ce n'est qu'après avoir bougé l'île une première fois que les terres prises dans l'énergie de la roue se sont arrachées du continent, pour en faire l'île, une fois la parcelle de terre téléportée au milieu de l'océan. Peut-être que certains d'entre vous, en ce moment même, sont en train de se dire que cette théorie défonce. Ça expliquerait en plus la présence d'Égyptiens sur l'île et de pierres venues d'ailleurs. Plus que ça, ça explique pourquoi la roue ramène la personne en Tunisie, car c'est là-bas que se trouvait la roue lors de sa toute première utilisation. Eh bien, je suis désolé, mais non. Et je ne comprends pas comment autant de personnes peuvent adorer cette théorie, car dans Across the Sea, on voit bien qu'avant que la roue ne soit construite, il y a déjà l'océan tout autour d'eux. Et ça ne peut pas être la Méditerranée, car l'emplacement du retour hors de l'île se fait dans le sud, et je répète bien le sud de la Tunisie. De plus, la protectrice de l'île le dit dans ce même épisode, ils sont sur une île. Donc non, cette théorie n'est pas valide. Dommage. Mais la deuxième théorie, quant à elle, suggère que le retour hors de l'île se fait dans le sud de la Tunisie, car quand on prend un globe et que l'on pointe le sud de la Tunisie, le point opposé, le plus éloigné de la Tunisie sur la planète est un endroit vide, profond et silencieux au beau milieu du Pacifique. Ce point opposé pourrait être la position de l'île, reliée à une poche d'énergie au cœur de la planète qui ressurgirait aussi en Tunisie. D'ailleurs, vous voulez savoir un truc énorme, c'est que ce bout de rien du tout au beau milieu de l'océan, eh bien il a comme coordonnées nos fameux chiffres, à savoir 4, 8, 15, 16, 23, 42. Ok, ok, cette théorie envoie du pâté. Et j'aimerais qu'elle soit plausible, sincèrement. Mais un seul petit détail la rend impossible. L'île a bougé des dizaines de fois avec les tests de la Dharma Initiative, à tel point qu'Héloïse dira même qu'elle est en constant mouvement. L'île n'est jamais restée à ce point précis. Même au cours de la série, elle a bougé deux fois, et Ben, ainsi que Locke, eh bien les deux se sont retrouvés en Tunisie. Donc la réponse est probablement ailleurs.
Et c'est là que commence réellement mon enquête. L'homme en noir répond qu'il est spécial, et c'est comme cela qu'il a su comment construire le mécanisme. Je me suis alors demandé, en dehors du fait que la protectrice de l'île le lui avait déjà dit, et qu'il lui sort en fait cette réponse comme sarcasme, a-t-il réellement une raison de penser qu'il est spécial ? J'ai alors pensé à sa réelle mère, Claudia, qu'il arrive à voir malgré qu'elle soit morte. Il y a de fortes chances qu'il se sente spécial pour cette raison, car les âmes bloquées sur l'île communiquent avec lui, mais ne communiquent pas avec Jacob. S'il dit que la raison a son savoir est qu'il est spécial, y a-t-il alors un lien entre sa mère morte qui lui parle et la construction de la roue ? Claudia serait-elle alors à l'origine de la roue qui sera tournée 2000 ans plus tard par Ben et Locke ? L'idée me plaisait, surtout qu'on ne sait pas vraiment comment vit une âme. Enfin, souvent dans les œuvres, elles ne sont pas liées au temps et à l'espace. Or, dans Lost, eh bien elles sont bloquées sur l'île, et donc sont prisonnières dans l'espace. Mais qu'en est-il du temps ? Si Claudia vit indépendamment du temps, peut-être sait-elle déjà comment les expériences d'Arma vont aboutir, peut-être connaît-elle la science de l'électromagnétisme que les humains découvriront 2000 ans plus tard. Ou alors, peut-être que le fait qu'elle soit bloquée sur l'île à cause de la poche d'énergie lui donne tout un tas de connaissances sur cette même énergie. Enfin, bref, l'essentiel c'est qu'elle connaît la science derrière toute cette énergie, et ceci explique ainsi comment l'homme en noir peut construire le mécanisme, et qu'il s'y connaît en électromagnétisme à cette époque reculée. Bon, là vous avez envie de me dire, ok, très bien Didi, mais t'expliques juste comment le système a été fait, mais pas pourquoi, et surtout pas pourquoi il téléporte la personne en Tunisie. Eh bien franchement, je suis plutôt fier de moi, car ma théorie, celle que j'ai élaborée du coup en faisant ma petite enquête, va répondre à ces deux interrogations. Selon Lost Encyclopedia, Jacob est le protecteur de l'île depuis plus de 2000 ans. Jacob et son frère sont donc nés il y a plus de 2000 ans. Leur mère, Claudia, était romaine. Me voilà alors à chercher des infos sur l'Empire romain quand je découvre que la Tunisie a été sous occupation romaine à partir de 146 avant Jésus-Christ. Claudia serait-elle une romaine qui habitait en Tunisie ? Ce serait alors pour cela qu'elle a donné ses connaissances à son fils. Pour cela qu'elle a fait construire la roue, pour que son fils puisse quitter l'île, pour que son fils puisse rentrer à la maison. La sortie de l'île est configurée, façonnée pour se téléporter en Tunisie à cause de Claudia. Voilà, voilà. Bon, après, ce n'est qu'une théorie, je ne sais pas si elle est vraie. N'hésitez pas et surtout pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Ou encore à re-regarder Across the Sea avec cette idée en tête. J'espère en tout cas que cette petite théorie vous aura plu. Et je vous mets là d'un coup un sondage en fiche. Normalement, c'est quelque part vers là. Parce que c'est vous qui allez choisir le thème de la prochaine vidéo. Voulez-vous une vidéo sur Libye ou bien une vidéo sur Echo ? On se retrouve la prochaine fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, et d'ici là, n'oubliez jamais que l'île n'en a pas fini avec vous.